Salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un genre de petit débat comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, ben j'arrête le rush. Pourquoi? Car ça m'a saoulé. Ici je ne peux pas vous montrer parce que j'ai redescendu. Mais deux défaites de suite à 49%. Un déjà sur un HDV 11 fantôme. César QX, son Aglartier et ses tours d'enfer n'allaient plus. Mais comme par hasard, j'ai fail. Et un autre sur un HDV 10 encore à 49%. Il restait un point de vie, un poil de cheveux et je faisais le 50%. Donc franchement, j'arrête le rush. Ça m'a saoulé. Ça m'a mis les nerfs. J'étais tout le temps sous tension chez moi. J'avais tout le temps les nerfs, je m'énervais pour rien. Donc d'ailleurs, j'ai même failli me faire frapper par mon beau-père. Et donc, je tiens à dire que j'arrête le... Honnêtement, ça m'a vraiment saoulé. Parce qu'on peut pas dire quand même que je suis une grosse merde. Donc ça va, j'ai quand même des murs niveau 10 et tout ça. Mais ça m'a tellement saoulé de perdre deux attaques de suite. Eh bien, que j'ai décidé d'arrêter le rush. Donc je reprendrai, je sais pas, peut-être quand j'aurai les Euro 15 ou 20. Je verrai bien. Je ne sais pas encore, on verra. Donc j'étais arrivé à 4256 trophées. En ce moment encore maintenant. De toute manière, j'aurais pas su arriver plus haut parce que le jeu il m'a douillé. Le jeu il m'a complètement douillé. Genre, je viens, je me prends une défense normale par un HDV 9. Quand il a fini, il m'a perfect parce qu'il a les héros 30 et tout ça, il est balèze et tout. Le mec, combien il m'a pris de trophées? Je vois à la fin 26 trophées. 26 trophées, même des fois 39, tout ça. Moi, je viens. Je trouve un HDV 9, il a combien de trophées? 5 trophées. Le jeu m'a complètement douillé. En plus, à chaque fois, genre quand je fais Go Weaver, le mec, le moteur de recherche là, de village, il vient, il me met quoi? Il me met des villages faciles à faire en dragon ballon, à faire facile 2 étoiles, même une étoile facile. Et puis quoi? Quand je viens, je fais dragon ballon, moteur de recherche, boum, il change, il met des villages à faire facile 2 étoiles en Go Weaver. Le jeu, il m'a complètement douillé. Donc déjà ça, en défense, je perdais beaucoup de trophées. Moi, des fois, ça allait, moins 7 et tout ça, on s'en fout. Ça, je m'en fous, c'était facile à rattraper. Mais, enfin... au moins 3 fois par semaine, le truc il me mettait à moins 26. Genre, moi je cherche un HDV 9, il est à 4, 5, 6 trophées, 11 de fois. Je fais quoi? Pour trouver des 30 trophées, c'est quoi? C'est des HDV 11 max. Où je suis même pas en technique pour faire une étoile à un HDV 11 max. Je sais comment on fait une étoile facile à un HDV 11 max. Pardon, j'en ai déjà fait une fois. Je sais comment on fait. C'est facile. Je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo peut-être. Mais honnêtement, le jeu il m'a tellement douillé, il m'a tellement saoulé. J'en ai eu tellement marre. Ben, j'ai décidé d'arrêter le rush. Et d'ailleurs, je pense même que je vais peut-être arrêter Clash of Clans. Ça m'a tellement saoulé. Que dire? Ça m'a...
dragon. Oh ouais, je me souviens. Regardez, hop. Moins 16, mais ça on s'en fout, c'était quand j'étais en train de redescendre. Là, ça va. Là, ça va. Un mec, il m'est venu, il m'a offert 33 trophées. Regardez déjà là. Le mec, moins 24 en 2 étoiles. Moi, je viens, je recherche ça, je trouve même pas. Là, moins 19, 2 étoiles. Mais là, moins 11, on s'en balèque. Moins 15, ça peut aller. Moins 26. Moins 26. Le jeu, je vous le dis, le jeu, il m'a complètement douillé. Moins 17. Moins 17, moins 12, moins 14, moins 27. Vous voyez, le jeu, il m'a complètement douillé. Moi, je trouvais quoi à chaque fois? Le maximum que je trouvais, c'était 5 trophées à prendre. Et encore, il fallait que je cherche plus d'une demi-heure, même plus d'une heure. Sinon, genre, je cherchais, après 15-20 minutes, je trouvais quoi? Un village à un trophée à prendre. Pas un trophée, mais il avait 5 trophées. Mais je le faisais une étoile. Parce que je savais que j'allais lui faire une étoile. Mais si je lui faisais une étoile, je prenais quoi? Un trophée. Le truc, 5 minutes après, ça me montrait des villages à 2 trophées. Ça quoi? Je. Il est venu, il m'a douillé, comme je vous l'ai dit. Il est venu, il m'a pris en levrette comme ça. Il m'a mis une paire de baffes. Boum, boum. Moi, je viens. Comme je vous ai expliqué, je viens, je rushais tranquille. Je prends à l'aise des trophées et tout. Je viens. Je vous ai expliqué tantôt, j'étais. J'avais pris une défense la nuit, donc moins 7. Vers 23 h et quelques. Moi, j'ai décidé de faire mes attaques GDC, les deux. Et je me suis déci et j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est que moins 7, je rattrape demain. Donc voilà, j'ai fait mes attaques GDC, puis j'ai été dormir, j'ai pas réattaqué. Donc ce matin, je viens, j'attaque, j'attaque, j'attaque. Et je reviens pile poil à mes trophées que j'avais perdus en défense. Donc j'étais revenu à 4256. Et je viens, je fais une dernière attaque. Enfin, c'était censé être une dernière attaque avant de me prendre une défense. Je viens, j'attaque, je trouve un HDV9 fantôme. Je me fais à l'aise. En plus, c'est facile de lui faire le 2 étoiles. Je viens. Déjà, ça me fait quoi? Hop, j'attaque du côté. Du côté l'HDV, vu que j'aurais pu lui prendre l'HDV. Donc, je viens et trouve, je lui détruis l'aigle artilleur et tout. Donc, j'étais à 49% quand c'était sur l'HDV. Donc, il restait quoi? Il restait un poil de cheveux à l'HDV. Encore une fois, hein, un poil de cheveux. Je balance mes héros à la fin pour qu'ils aillent sur l'HDV. Donc je viens, je balance. Déjà ma reine, elle fait le tour. Celle-là, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Elle vient, elle fait le tour. Déjà pour commencer, je me dis, allez, de toute manière, il reste mon roi. Mon roi, il vient, il attaque les remparts exactement au bon endroit où ils ont déjà pris des points de vie et tout ça. Donc après, il est en route sur l'HDV. Le mec, il allait taper l'HDV. Il vient, il quoi? Oui, il y a la reine qui le tape. Oh, ben, je vais aller détruire la reine à la place de détruire l'HDV. Donc, je viens, il est contre la reine et tout ça. J'active vite mon pouvoir. Le truc, il s'est fait douiller par les Tesla et la reine. 40. Ouf. J'avais les nerfs. J'avais les nerfs. Je me suis dit, c'est bon, je vais rattraper. Après, je viens. Une attaque. Il me restait plus ou moins presque une attaque avant que je me prenne une défense et tout. Je viens. Donc j'attaque. Je trouvais un HDV10 potable de lui faire un 2 étoiles. Donc je vais d'ailleurs si je ne l'ai pas mis. Je viens, je commence et tout ça à l'attaquer du côté HDV car j'aurais pu le prendre. Ouais, non, là c'était juste la preuve comme quoi je redescendais. Voilà, deux fois je fail de suite à 49%. Donc je viens. Là c'était juste quand je venais de.
Là, je l'ai réattaqué. Donc, je viens, je l'attaque et tout ça. Bon, l'HDV, j'ai pas su le prendre. Je me suis dit, allez, tant pis. Tant pis, je vais gratter les pourcents pour faire les 50%. Donc, j'étais à 46% plus ou moins. J'avais encore mes deux héros. Donc, je viens, hop, hop, hop. Mais tous les archéologues étaient en mode sol, donc ils ont tous. Donc, sans faire exprès, je pose ma reine en premier. Je me suis fait, allez, c'est pas grave, il n'y a que la tour d'archer qui le focus. Donc après, je pose mon roi. Reine a détruit la tour d'archer, tout ça, à l'aise. Après, la reine, elle se fait se focus par les 4 archers qui sont. 4 ou les 3 archers qui sont en même temps. Niveau 4, boum, boum, boum. Donc elle vient, elle est vite dans le rouge, j'active vite le pouvoir. À l'aise, je suis à 47% plus ou moins, 47-48. Donc, je viens, le roi il est toujours là. Bon, il se fait focus par un canon et une tour d'archer. À l'aise, pas de problème. Après, voilà, il est à 48%. 40, à 48%, j'active le pouvoir. Donc là, il se fait douiller par le canon, les arcs X, la tour d'archer, plus une autre tour d'archer. Il vient, il détruit un truc, donc il est à 49%. Il est dans le rouge, il vient avec ses petits barbares. Hein. Il commence à douiller l'autre, à frapper, frapper, frapper. L'autre, c'est un extracteur. Donc il vient, hop, hop, hop. Le roi se fait douiller, boum. Je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va passer avec mes barbares. Donc ça vient gentiment, ça détruit tout ça, mais bon, en attendant, là, ils se font focus. Et donc, c'est venu à un poil de cheveux. J'allais lui faire le 50%. J'ai eu la haine. J'ai eu la haine, normal. Et donc après j'ai décidé ben, d'arrêter le rush. Donc voilà, je reprendrai plus tard quand mes héros seront meilleurs. Et encore, parce que ça m'a tellement saoulé, ça m'a tellement mis les nerfs le rush. Je pense que je vais arrêter le jeu. Je pense bien que je vais arrêter le jeu. Je sais pas encore, je verrai bien, mais il y a plus de chances que je l'arrête que je continue. Parce que ça m'a tellement saoulé. Ben, je verrai bien. Donc voilà, c'était juste une vidéo comme ça. Bon, elle était pas très cool. Elle était même chiante, je vais vous dire. Ça va sûrement pas vous intéresser, c'est pas grave. Donc voilà, je parlais. Elle était sûrement chiante. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé. Si je reprendrai le rush, ben, je ferai la série. Ben, je rush, je sais pas, je rush Titan 2 ou quoi, je sais pas encore. Ouf, oh, pardon. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao tout le monde, peace.